La genèse de ce projet remonte à il y a quelques années. C'est Yves Schlierf, notre éditeur, qui nous a demandé de nous intéresser spécifiquement au monde de l'espionnage. Revenir sur des choses que Jacobs avait touchées dans son œuvre à lui. La deuxième demande de l'éditeur, il était de ne pas percuter la chronologie déjà en place. Donc ça voulait dire déplacer dans les années 60. La guerre froide, Berlin, et il y a un événement extrêmement important qui se déroule à Berlin en juin 1963, qui est la visite du président des États-Unis. Et selon le bon vieil adage de notre maître à tous, Jean Van Damme, si tu dois organiser un complot, il vaut mieux que ce soit contre l'homme le plus puissant de la planète plutôt que contre ta concierge.